une journée historique à Mexico. Pour la première fois, une femme devient gouverneure de la capitale mexicaine après avoir recueilli sur son nom une majorité de suffrages. Claudia Sheinbaum a prêté serment. Cette scientifique de 56 ans, proche d'Andrés Manuel López Obrador, le nouveau chef de l'État, a promis d'en finir avec la corruption. À partir d'aujourd'hui, la démocratie et la liberté politique seront restaurées, souligne-t-elle dans son discours d'intronisation. Nous n'exercerons plus ni persécution ni violence directe ou simulée contre ceux qui pensent ou agissent d'une manière différente que le gouvernement. J'ai demandé au secrétaire de la sécurité publique la dissolution complète de la police anti-émeute. Claudia Sheinbaum, femme de gauche, dit s'inspirer des exemples de Manuela Carmena et Ada Colau, les maires de Madrid et Barcelone, proches de Podemos en Espagne. Mais la coalition qui l'a portée à la tête de Mexico compte aussi un parti d'extrême droite ultra-évangélique.